La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire organise son 39e congrès national et pour la première fois cette année, il sera jumelé aux premières journées franco-tunisiennes d'hypertension artérielle en collaboration avec la Société française d'hypertension artérielle. Effectivement, ce congrès donnera une nouvelle dimension à la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire avec de nouveaux partenariats avec des sociétés savantes africaines, européennes et américaines. Nous avons choisi comme thème la prévention cardiovasculaire. Pourquoi le choix de la prévention cardiovasculaire? Parce qu'en fait, on a constaté une flambée, une explosion des facteurs de risque cardiovasculaire en Tunisie, à savoir un patient tunisien sur deux est hypertendu, 18% des Tunisiens sont diabétiques et plus de 40% des Tunisiens ont un problème de cholestérol. Alors, ce congrès sera l'occasion pour que les experts tunisiens, les éminents experts internationaux, essayeront de développer une stratégie de prévention cardiovasculaire pour la présenter aux décideurs et pour que les cardiologues soient impliqués dans la prise en charge de la santé, non seulement des patients, mais aussi des citoyens. Notre grand congrès national sera jumelé, comme je l'ai dit dès le début, au 7e congrès francophone d'imagerie cardiovasculaire. Donc ça sera l'opportunité d'aborder les nouveautés portant sur l'imagerie cardiovasculaire en cardiologie. Ça sera un moment agréable de partage de savoir et d'expérience entre les imageurs tunisiens et internationaux. Certainement, nous allons aborder les avancées en cardiologie interventionnelle, en rythmologie et en cardiologie pédiatrique. Après le grand succès de Tabarka et avec la présence de plus de 1000 congressistes, cette année, Tunis, notre belle capitale, sera la capitale de la cardiologie francophone et anglophone. Ce très beau pays qui rassemble ce mélange mystérieux entre l'histoire et la culture, avec ses magiques ruines de Carthage, avec ses magiques mosaïques et avec sa magnifique Médina. Alors retenez la date, c'est du 24 au 26 octobre 2019. Soyez nombreux, relevons ensemble ce beau challenge.